vous avez une vue magnifique sur la ville moderne de Nazareth. À l'époque du Seigneur Jésus, c'était un tout petit village, mais c'est l'endroit où vivaient Marie et Joseph. Bien sûr, Jésus est né à Bethléem parce qu'il y avait, comme on sait, un recensement. Et puis, ils ont dû aller dans leur ville d'origine. Donc, ils se sont déplacés jusqu'à Bethléem. Et puis, mais ils ont vécu ici. Et c'est ici que Jésus a grandi, à peu près comme tous les autres enfants, sans doute. Et puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ils pouvaient voir la vallée de Jézréel, là où les armées se rassembleraient à la fin des temps. Et puis, il a grandi et il a fait, bien sûr, son ministère. Après avoir été tenté au désert pendant 40 jours, 40 nuits, la Bible dit qu'il est revenu revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je pensais qu'il était venu premièrement ici à Nazareth, mais non, le premier endroit qu'il a fait, c'est Capharnaüm, là où nous serons demain. Il a prêché dans la synagogue de Capharnaüm, laquelle n'existe plus vraiment, mais les fondations sont toujours là. Alors, vous allez voir ce qui reste de la synagogue dans laquelle Jésus a prêché il y a 2000 ans passés. Et puis, c'est là qu'il a prêché en premier, puisque lorsqu'il est revenu ici et qu'il a prêché dans la synagogue de Nazareth, les gens lui ont dit « Fais ici les miracles qu'on a entendu dire que tu as fait à Capharnaüm. » Donc, il a été à Capharnaüm avant de venir ici à Nazareth. Les gens sont venus. Bien sûr, la synagogue devait être remplie à pleine capacité parce que, bon, c'est Jésus de Nazareth qui est en visite à la synagogue locale. Il va dérouler le livre du prophète Ésaïe, le rouleau plutôt du prophète Ésaïe. Il va lire cette portion-là qui mentionnait qu'un jour le Messie viendrait. Et contrairement aux autres commentateurs ou rabbins qui ont dû lire ce passage-là plusieurs fois dans les années précédentes et qui toujours disaient « un jour, cette parole-là s'accomplira », contrairement à eux, il a déclaré « aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Alors, ils n'ont pas vraiment apprécié parce que, bon, ils viennent de comprendre qu'ils s'auto-proclament le Messie. Ils s'approprient du texte du prophète Ésaïe. Et là, il y a beaucoup d'incrédulité. Il ne peut pas même faire beaucoup de miracles, sauf qu'il a guéri quelques personnes seulement à cause de leur incrédulité, parce que, bon, c'est Jésus de Nazareth. Ils l'ont vu grandir ici, ils l'ont vu dans les rues du petit village de l'époque. Et c'est difficile quand même pour eux d'admettre que ça peut être le Messie, le grand Messie qui leur a été promis depuis si longtemps. Et là, Jésus va leur faire certains reproches qu'ils ne vont vraiment pas apprécier. Il va dire quelque chose comme, « Bon, c'est un peu toujours la même chose. Il y a beaucoup d'incrédulité ici. Un prophète n'est jamais reconnu vraiment dans sa propre patrie. » Et il va donner deux exemples qui ont vraiment enragé les gens ici de Nazareth. Il va donner l'exemple de cette veuve que j'ai parlé au cours de la journée, de Sarepta. Alors, il va dire au temps d'Élie, lorsque le ciel a été fermé pendant 3 années et demie et qu'il y a eu une grande famine, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Dieu n'a pas utilisé aucune d'elles. Il a utilisé une femme étrangère en dehors d'Israël, de la région de Tyr et Sidon. Et il va donner l'autre exemple de Naaman. On va dire à l'époque d'Élisée, le prophète, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux ne fut guéri, sauf Naaman qui venait de Syrie. Alors, ils n'ont vraiment pas apprécié ce que Jésus leur disait. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont voulu se saisir de lui et le précipiter en bas ici de cette colline sur laquelle nous nous tenons, qu'on appelle le mont de la précipitation, parce qu'ils ont voulu le précipiter en bas de cette colline. Mais miraculeusement, la Bible ne nous dit pas comment, ne nous donne pas de détails, mais dit tout simplement qu'il a pensé au milieu d'eux et qu'il s'est enfui. Alors, comment il l'a fait, je ne sais pas, mais miraculeusement, pfiou, il s'est retrouvé comme ailleurs. Où, oh, ça, c'est mon drone qui prend des belles photos, là.